Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel, Parler Haïti. Bon, si on a l'autre plaisir, l'autre occasion, moi retourner sur la plateforme nan avec une autre nouvelle en détail. Moi salue tous les fanatiques qui branchent, qui attendent, qui regardent Chanel, Radio Parler Haïti. Salutations pour nous spéciales, que bon Dieu bénisse nous. Bon, nous pas remercier tout le monde pour nous pas remercier Diaspora. Dans le moment où on a parlé là, Diaspora fait un travail sérieux, spécialement Diaspora qui est aux États-Unis avec Canada. Et côté, on fait une organisation pour rassembler infirmières qui intéressées pour aller aider Haïti. Parce que nous connaissons en Haïti qu'on y a là, même docteur qui pas gagné. Eh bien, qu'on y a là, et en pile diaspora mobilisé au fond organisation pour voyer en pile infirmières en Haïti, docteur tout. Nous vraiment aimer geste là, moi féliciter diaspora ça aux États-Unis qui fait bel travail ça. Eh bien, en Haïti là, nous avons joué combien de nurses qui entrent en Haïti là? Nous avons joué 12 qui entrent là. Nous avons 12 nurses qui déjà entrent en Haïti pour aider les gens qui en nécessité. Ça, c'est une organisation humanitaire, solidarité avec les gens qui en nécessité en Haïti, qui voient le travail dans l'hôpital. Merci en pile avec l'organisation ça qui font bel travail. Travail là, bel et joli. Moi, j'aime ça en pile. Et il y a un pile diaspora tout qui mobilisé pour voir ça au gain en Haïti. Parce que il y a des gens qui besoin Kotex, qui l'autre, rad, et bien, et brosse, pâte, nous connaissons un pile de nécessité. Et bien, ou même qui t'a gain un bagage ou t'as besoin de voir en Haïti, quelconque ça, il y a rad ou bien tout bagage pour femme et brosse, pâte, quel que soit ça ou gain en main, ma bonne une adresse avec un numéro de téléphone, nous sommes capables de contacter une organisation qui est dans New York, pas vrai? Qui est dans New York, et bien, qui a recevoir et donation, quel que soit ça ou bien, ou bien, comme tout, ou bien, ou bien, tu achètes ton bagage, ou achètes ton bagage, fais cadeau, et bien, ou bien, et bien, ou même, il va entrer avec lui en Haïti. Et bien, nous avons une information de ça, vous pouvez nous là, tu dois bon, s'il vous plaît. On allez. Ok, mais nous avons besoin de quelques personnes pour volontaires, et bien, qui voulaient aider. Et pour collecter bagay nan adres sa mbral ba nou la. Mwen, eh bien, moun ki responsable la, c'est... Ok, mbral ba nimote fan mesya, mbap site noun. Eh bien, misye le Junior, le Claude Junior. Claude Junior ki resevwal. Nap jwenn misye nan adres sa. C'est 5124 Avenue N avek E50D nan Brooklyn. Nan Brooklyn, eh bien, misye sa chita, la pren bagay pou vwe an Haiti. Et pour plus, yon moun ki bezwen numéro téléphone ni sou États-Unis, ou ta bezwen faire un geste avec moun ki en Haïti, c'est pas seulement quoi, j'aime dire non, quel que soit sorgue nan moun la, exemple acheter parfum, quel que soit bagay kapitil moun yo, mwen se ou kapab rele nan numéro téléphone ça, c'est 718 791 77 48 718 791 77 48. C'est numéro téléphone ça États-Unis, ou ka rele compatriote ça, sorgue ou bay la bon pour kapab aider moun yo en Haïti. Ma prépare numéro encore, c'est 718 791 77 48. Non, monsieur Lé et Claude Junior. Merci en pile. Eh bien, c'est comme ça, madame Bessé. Merci à toute diaspora qui a fait un bel travail là, qui a mobilisé pour aider les gens en Haïti. Eh bien, je remercie toute opposition qui voulait tout matériel qui était gagné. Parce que le peuple a besoin de matériel pour retirer les gens en bas de compte. Nèg yo fait tout le temps, il y a crasé brise. Et je remercie André Michel. Bay côté le fait avec bay qu'on a parlé en pile pour ça André Michel pas me font tweet André Michel par exemple font un tweet pour moun sa qui victime dans moun sa qui en bas la pluie en bas cyclone tremblement de terre. Eh bien ambassadeur des pays d'Haïti à Washington Bochit Edmond, eh bien monsieur répond une question Jacques Belizère, eh bien il parle en pile détail sur réponse États-Unis et bay Haïti après tremblement de terre avec un pile dépression tropicale grâce nous connaît cap avancé qui a ravagé pays d'Haïti là dans moment. Eh bien, nous pourrons attendre l'ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bochit Edmond. Eh bien, madame, mais ce n'est pas compliqué dans le pays. Bonsoir, Jacques Mélisère, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Voix de l'Amérique, Créole. C'est un plaisir pour moi avec vous, comme toujours. Et on peut dire que depuis samedi, nous avons engagé dans une pleine conversation avec l'autorité américaine, et qui était très disposée et qui était agi immédiatement pour que assistance à haute arrivée. Comme on dit, il y a une présence garde-côte qui est déjà en bas, il y a un hélicoptère garde-côte qui a aidé le transport et les gens qui sont blessés sont dans la zone affectée à Port-au-Prince. Ils ont transporté tout et secouristes qui viennent aider. Parce que nous avons un groupe de secouristes qui sont faire fax Virginie, qui est rentré à Haïti hier soir
et ils sont là pour porter assistance à tout effort qu'on a fait pour chercher, pour essayer de trouver des gens qui sont encore vivants en bas des bris. Et ils ont à pied d'œuvre, ils travaillent sérieusement. Et nous avons une équipe USAID tout, qui est là en Haïti, qui est renforcée, et qui a pris dans quelle mesure, à partir d'une évaluation de l'ampleur de ces problèmes arrivés, hein, puis ouais, comment le cas et rendre l'assistance beaucoup plus effective. Et bien, dans ce cas, nous sommes en contact personnellement avec l'administrateur de l'USAID, ambassadeur Samantha Powers. Nous avons eu une conversation tout avec le Premier ministre Henry, qui fait un état des lieux à partir de visites qu'il a fait, qui a fait un rapport de ça. Même qu'a dit dans l'ensemble, l'assistance de notre grand voisin, les appels d'œuvre, il a commencé à matérialiser. Et ambassadeur Edmond Gayen, par exemple, et collaborateur de Jean-Robert Philippe, qui fait un voyage éclair, express, qui est allé à Haïti hier, qui est retourné avec Samaritan Purse, qui a même débarqué l'autre bois. Mais il a dit que il n'y a pas une présence et gouvernemental dans le processus d'accueil là. Ça veut dire les pour ton assistance dans l'aéroport Maïgatea ou bientôt celle ouverture là, il n'y a pas de présence et l'État. Vous avez une idée sur ça? Bon, bah, on est, si c'est une information qui gagne un peu de sens, parce que pas changer bien au tremblement de terre, c'est pas ton barrage planifié. Mm-hmm. C'est un désastre naturel qui est arrivé. Et cela veut dire que bon, c'est des structures qui ont beaucoup de mettre en place. Mm-hmm. Et il ne faut pas oublier tout que, il ne faut nous pas rendre des malheureusement, pays nous avons un peu de faiblesse institutionnelle. Mm-hmm. C'est que bon, c'est des structures, les bons événements de grande ampleur qu'on a privés, qui m'ont donné du temps pour mettre toute une série de structures en place. Même quoi, autant que nous comprenons, et Kuhn, qui fait partie de la direction pour l'action civile, qui a une décision gouvernement qui désignait comme principale interface pour qu'ils reçoivent les aides internationales, pour qu'ils fassent gestion et tout. Et je crois que le directeur général de PCI a toujours l'aéroport pour recevoir et étrangers qui viennent les aides internationales. Et ça a peut-être dérivé pour nous, mais il n'est pas en bas généralisé, parce qu'à plusieurs reprises, et moi-même, j'ai eu des interviews que le directeur général de la protection civile a bail à l'aéroport pendant la recevoir une série d'assistances qui sont à l'étranger. Et ambassadeur Edmond, qu'on y a dans la situation que nous y est journée aujourd'hui, et pas seulement des tremblements de terre, qu'on y a que Grace ou bien Grace, lui-même, Livin Antijan, aggravé la situation. Est-ce que gon orientation ou bien yon coopération encore sous question qui, avec qui je que n'a pas gardé et arrivé Grace sous Haïti? Bon, malheureusement, nous avons dit avec des yeux qui sont impuissants, nous n'avons pas fait rien en ce sens, mm-hmm. parce que c'est un cyclone ou bien c'est une tempête tropicale. Nous tout simplement espérer que il pas porter un pile de pluie dans la zone sud-là. Parce qu'avec un pile de pluie dans la zone sud-là, il va l'antigène et rendre travail, les gens qui font recherche, et experts qui cherchent pour rejoindre un cadavre ou bien les gens vivants, la prendre travail difficile. Parce que la plupart tombent dans la zone. Je pense que pour le moment, c'est ça seulement nous avons fait. Et c'est rassurer nous qu'au moins, il n'y a pas fait trop de dégâts, il n'y a pas porté trop de l'eau, et pour qu'il empêche le travail à continuer. Mais dans l'ensemble, il y a des dispositions qu'on va essayer de prendre rapidement pour voir dans quelle mesure il y a déplacé une série de monde qui n'a pas gagné trois sous tête, qui pour gagner un temps tombé avec quelqu'un, déplacé au météo dans une série d'abris de secours. Et en attendant que. Et Utica et faire des structures pour mettre au bien d'être, etc. Même parce que c'est ça qui est important, c'est les victimes ça, qui sont dehors dans la rue, et le gouvernement, avec, à travers la protection civile, qui a fait des arrangements pour voir comment Utica déplacer Mounsao, retirer en plein air, mettre dans des structures provisoires, capter nature, protéger contre la pluie, etc. Et ambassadeur Edmond, nous connaissons que les États-Unis voulaient aider, mais nous connaissons tout en général qu'on gagne. Et organisation qui sous place aux États-Unis, qui gagne droit organisation dans la diaspora, organisation haïtienne, ou bien d'autres partenaires, est-ce que nous gagnons des entités comme ça, notamment dans des PAO qui t'a parlé de Haïti, est-ce que vous avez une idée d'organisation ça, est-ce que vous contactez ou puis vous apportez une aide à Haïti dans l'occasion? Bon, nous avons parlé avec plusieurs organisations. Par exemple, on m'informe que matin, nous avons une réunion avec l'OEA, l'OEA Constructure,
que me demander secrétaire général à samedi, le jour même de tremblement de terre là, demander secrétaire général là pour le démettre là en marche. Son structure qui implique une série d'organisations, tant que PARO, j'en suis dit là, OPS, qui a un BID, qui a un DAL, l'autre institution encore, et structure ça là pour venir après un désastre naturel dans l'État membre. Et comme on connaît l'OEA généralement, il y a une réputation en Haïti seulement impliquée dans la politique. Mais l'OEA a tout bon l'autre aspect, tout bon l'autre visage tout qui s'est impliqué tout en question de développement ou bien question de secours, etc. Matin, nous avons une réunion avec eux et nous avons présenté un tableau de la situation. Et actuellement, là, l'équipe là travaille pour à quel niveau et il y aura le porter contribution par eux parce qu'ils ont un fonds spécial pour ça. Et nous tout simplement travaillé avec eux pour nous avoir des directives, pour nous avoir des besoins. Et parce que nous avons le Premier ministre demandé. Et le Premier ministre Henri Mandé, c'est surtout pour toute aide internationale là, pour des fêtes de manière coordonnée. Parce que nous parlons aucune fête dans des autres, tant pour expérience en 2010, côté tout le monde envahi, et PIA avec ONG, a fait, on va prendre ça, une a fait, l'autre a fait, tout le monde a fait même bagaille. Mais nous avons souhaité cette fois-ci pour les mieux coordonner et pour tenir compte des besoins d'abord, pour ne pas venir avec des bagailles que nous n'avons pas besoin. Je pense que c'est important et c'est un message que nous passons par eux. Nous travaillons ensemble, mais besoin nous, et à partir de là, pour nous voir comment ou même organisation qui serait dans mon nom à aider avec lui ou pas. Mais l'essentiel, c'est que ne pas aider Haïti, les tout le monde va aider pour toute qualité de bagaille qui parfois qui nuit même à ça nous gagne qui était comme minimum de production nationale. Ambassadeur Edmond, la voix de l'Amérique du Merci, merci pour disponibilité. C'est un plaisir pour me d'avoir Jacques. Merci un peu et salutations à tout le monde. Et m'a profité du moment ça pour présenter et condoléances à toute famille qui perdit au monde dans le Tessal dans le Sud. Et encore sympathie, ambassade d'Haïti, Washington, à tout le monde. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est Moshit qui t'a parlé là. Eh bien, qui t'aime garder moi, eh bien, gagnez encore là et ça nous va le passer là. Madame, merci pour patience pour nous sur Chanel, Valé, Haïti, bagaille compliqué. Gagné, nous parlons de un reportage correspondant qui va parler et Renan Toussaint et bien sous conseil opération urgence qui gagne dans pays ça important tout n'a tourné pour faire face à situation ça. Nous on pas qu'à travail que n'a fait, travail de coordination, n'a travail avec tout secteur, toutes différentes institutions qui concernent en façon pour nous capable je ne dire joindre une meilleure solution, mobiliser ressources que nous gagne adéquatement pour nous capable bailler et puis bon réponse par rapport à moun que nous gagnons qui déjà victime et qui connaît là qu'a exposé à cause de tempête tropicale là. Docteur Jerry Chandler précisé, yo déjà réévalué yo ensemble abri provisoire pour capable abriter citoyens qui dans zone à risque. On travaille d'évaluation rapide sous abri provisoire qui existait yo en façon pour nous capable qui abri qui pas atteindre que nous capable activer et qui justement actuellement l'a pas activé et qui habille qui atteint pour nous pas le mettre moun yo pour ne pas exposer au plus. D'après dernier bulletin météorologique yo, dépression tropicale ça concernait 4 départements géographiques pays d'Haïti, département l'Ouest, Sud-Est, Sud ak Grand-Anse. Docteur Chandler, qui c'est directeur au niveau direction protection civile en Haïti, li mandé tout monde qui était dans zone ça yo pour yo capable très vigilant. Moun ki rete nan zone à risque pour yo déplacer, moun ki gen ki konnen que côté yo rete yo pas correct ou bien yo pas kòjòm pour yo chercher des lieux alternatifs. N'a mandé tout moun ki concerné ki tout moun nan pays a pour yo prendre précaution. Malgré que nous sou toujours en vigilance jaune, quand même gen possibilité que dépression tropicale ça vienne avec en pile la pluie, en pile d'eau dans certaines zones et de l'eau capable pour causer ça relé des inondations éclair des rivières ont gonflé en grain coup de l'eau monter et puis et de l'eau envahie. Dans ça concerné tremblement de terre 14 août 2021, docteur Chandler dit pas gain trop changement en termes blessés ak moun ki mouri. Même bilan que nous te gagné hier, ça bon 1270 morts à peu près et li maintenu, OK? Et nombre de blessés a par contre li légèrement augmenté, nous capable presque nous était à 5800 hier, nous pouvons aller à 5900 plus ou moins 6000, mais ça me dit tout c'est que grand pile effort par rapport à évacuation BCO, prise en charge et il y a toute une logistique qui fait pour que le secteur santé a voyé des médecins et voyé des ressources, m'a parlé de ressources, m'a parlé médicaments, m'a parlé matériel, pansement etc., que docteur qui sous place qu'a besoin pour être capable de prendre soin et d'Akadi et patient. Pendant ce temps, ces courriciaux continuaient à travailler sérieusement au niveau département sud, Grand-Anse et NIP
pour voir dans quelle mesure ils sont capables de répertorier survivants qui, jusqu'à présent, en bas des combes après tremblement de terre 14 août 2021. Renan Toussaint, pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Eh bien, c'est ça. Et merci tout le monde. Je suis obligé de camper. Là, je vais tourner. Bye.